Hello guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peuple pour le peuple et pas le peuple, cette chaîne qui sera toujours plus proche de vous, cette chaîne qui vous partagera toujours des informations utiles, des informations pertinentes, des informations importantes qui vous permettront comme ça de dessiner des projets intéressants. Sachez qu'ici nous parlons de métaverse, nous parlons de projets crypto, nous parlons d'entrepreneuriat web, nous parlons d'NFT. Nous parlons d'éducation financière, nous parlons de mindset, voilà, car nous sommes convaincus que l'éducation financière et le savoir te feront grandir. Donc, voici une information utile, les gars. Donc, si l'une de ces thématiques-là t'intéresse, voilà, c'est-à-dire le décryptage, l'analyse fondamentale et technique des projets t'intéresse, le quotidien, tout ça t'intéresse, abonne-toi maintenant pour ne rien manquer. Donc, les gars, voici une information utile. Donc, Flash Info, Flash Info, Flash News, Flash News, la troisième plus grosse baleine de Bitcoin. Bitcoin a acheté 456 nouveaux BTC au prix moyen de 46 363 000 $. Donc, regarde, le solde de cette adresse est désormais à 120 845,57 BTC. Donc, les gars, regardez, ça c'est la troisième plus grosse baleine. Il vient d'acheter. Aïe, 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 vous voyez, pendant que nous sommes ici en train de réfléchir. Comment faire? Il y a des personnes qui sont prêtes, qui sont vraiment prêtes à défier, je sais pas quoi dire, mais les gars, vous-même, dites-moi en commentaire, dites-moi en commentaire, dites-moi en commentaire. On était où? On était où lorsque le Bitcoin a été lancé? On était où? On voit très bien ici. On voit très bien ici. Voici le récap ici. Voici les informations sur ce wallet. Vous savez que le monde me veut la blockchain, rien n'est. Tout est transparent. Pour ceux qui n'ont pas vraiment, je vous invite à aller faire des recherches sur la blockchain. Vous allez comprendre le bien fondé de la blockchain. La blockchain est vraiment incroyable. C'est un monde merveilleux. Donc, avec la blockchain, les litiges fonciers, si les États, certains États africains adoptent la blockchain comme moyen d'encodage des titre foncier, voilà, je pense plus qu'il y aura vol de terrain parce que la blockchain est infalsifiable. On connaît que telle partie, telle parcelle appartient à qui je pense au Ghana. Au Ghana, je pense qu'ils ont développé cela au Ghana. Ils ont déjà développé un système comme ça au Ghana. Voilà, un système de blockchain du cadastre au Ghana. Donc, et aussi, même au niveau des assurances, au niveau des vols, tout ça, il y a plusieurs compagnies qui sont en train de travailler là-dessus. Voilà, donc regardez-vous la description ici de ce portefeuille. Voilà l'adresse du portefeuille ici, voilà les différents montants, voilà qui ils sont. Donc les gars, lorsqu'on vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Voici, voici les choses. Alors ici, alors c'est pour ça que j'ai toujours dit l'information nie à celui qui ne l'a pas. L'information nie à celui qui ne l'a pas. Donc voilà le portefeuille en question. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas si c'est un non, parce que si c'était un exchanger centralisé, on devait mettre le nom, hein, mais c'est pas un exchanger centralisé. C'est pas un exchanger centralisé. Bon, ça c'est une baleine, c'est une personne lambda, un investisseur, voilà, lambda qui a investi pas mal d'argent là-dedans. Voilà. Il a acheté ou à ce prix. Donc ça veut donc dire que d'ici peut-être à ce moment, le prix du Bitcoin est en train de monter. Bon, je ne sais pas quand il a acheté ou c'était. Est-ce que j'ai la date ici pour savoir quand il a acheté? Il a acheté ça, c'était le. Il a acheté ça quand? Il a acheté ça quand? Le 14. Il a acheté ça le 14. Non, il a acheté ça le 3. Le 3, c'était hier. C'est hier qu'il a acheté. Il a acheté ça le 3. Voilà, le 3. Le 3 janvier 2000, le 3 janvier 2000, alors, si mes souvenirs sont bons, attends, je vais un peu vérifier celui-là ici. Le 3 janvier, oui, le 3 janvier, oui, le 3 janvier. Voilà le montant qu'il a acheté hier. C'est le montant qu'il a acheté hier ici, j'ai retrouvé cela. Voilà ça, le temps. Et voilà le nombre de pièces. 456 bits ici ont été achetés. Voilà le hier à 23 h 41, 44 secondes. Il a acheté 46, 400, 456 pièces. Donc, moi j'ai le sentiment que avant 2025, le BTC peut avoisiner les 5 millions. J'ai ce sentiment parce que la manière dont les États
sont en train déjà de plébisciter cette monnaie, et les banques aussi sont en train déjà d'encourager, certaines banques sont déjà en train d'encourager les investisseurs à prendre position là-dessus. Donc, voilà. Et certaines banques ont aussi déjà acheté pas mal de pièces qu'ils ont vraiment stockées. Voilà, parce qu'ils ont vu qu'avec ça, ils gagnaient vraiment de l'argent. Voilà. Donc, les gars, c'était une information assez importante que je tenais à partager avec ma communauté. Donc, si cette information vous a plu, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus. Voilà, ça m'aidera toujours à vous apporter de la valeur. Ça va m'encourager toujours à être toujours présent lorsque vous avez besoin des informations utiles. Comme ça, voilà, ça prouve alors que ceux qui doutaient encore du projet crypto, de projet crypto-monnaie, maintenant eux-mêmes ils auront leurs yeux que pour voir, voilà, comment les choses sont en train d'avancer. Voilà, donc c'est l'avenir. Donc, mais pour cela, nous devons nous former, les gars. Formez-vous. Je ne cesserai jamais de marteler cela. Les gars, vous devez vous former. Formez-vous pour faire face à cette révolution numérique. Sinon, vous serez là comme devant un chien assis en train de visionner. Voilà. Donc, les gars, lorsque je l'ai dit, vous trouverez de l'autre côté. C'était pour partager cette information avec vous. Bye bye.